Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bon, l'après-midi, il est à 14h, mais je vais aller m'occuper des trois chevaux, particulièrement de Edith et Inaxium, puisque Edith est en repos aujourd'hui. Hier, c'était Edith, donc maintenant c'est Edith et demain sera Inaxium. Qu'est-ce que j'ai prévu? Avec Edith, j'ai prévu de faire du dressage, de dérouler une reprise. Club Elite, je crois, c'est oui, ça. Club Elite. Voilà. Et avec Inexium, j'ai pris de bosser tout ce qui est cercle, transition particulièrement, pour qu'il réalise un peu la jambe. Mais donc voilà, et donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Je sais pas si quelqu'un pourra me filmer, puisque personne n'est là. Ma soeur est pas là pendant 2 semaines. Donc bon, je sais pas trop. J'essaie de faire quelques trucs à voir. Mais donc c'est parti pour cet après-midi avec moi. Bon, pour Edith, il va falloir quelque chose quand même sur la reprise, dont transition galop, pas et directement après arrêt. Il passe toujours vers le temps dans le trot, c'est un peu chiant. Le reculer de 3 à 5 pas, il se décale souvent vers l'intérieur. Après, qu'est-ce qu'il a besoin d'être? Les changements de pied. Qu'il y a à faire, je l'ai fait en l'air. Il a tendance à mettre des coups de cul dessus. Ensuite, travail au pas, il est bien, travail au trot, ça va. Faut que je passe à la douche, il est dégueulasse. Mais oui. Après, voilà, quelques trucs à revoir là-dessus. Après, ça va. Sinon, après, il répond assez bien. C'est vraiment des parts au galop. Il est un peu froid. Et transition, pareil, quand tu passes du galop à l'autre chose. Donc, c'est pareil. Il va falloir revoir aussi la serpentine, le galop, les trois boucles.
Il s'est énervé, il m'a donné un coup de cul en question. J'étais bon, écoute, hein, pourquoi pas. Donc ça, faire travailler, c'est serpentine à main droite, vraiment, c'est la main qu'il préfère. On travaillera ça. En plus, je l'ai fait dans la carrière. Qui déroule dans la carrière, qui est quand même très grande, qui n'est pas confectionnée pour, avec les deux manèges extérieures, je fais à peu près. Je me suis dit, je vais faire dans la carrière déjà, ça va aider, comme c'est plus grand. Bah, je pense que ça irait plus de le faire dans le manège, dans un petit truc. Un chouchou. Voilà. Maintenant, on passe à une action. De chier encore sur le petit monstre, sur le petit 4 ans. Qu'est-ce qu'il est mignon aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a assimilé les sciences depuis qu'il est arrivé. C'est dire qu'avant il a beaucoup de mal à avancer. Bon, c'est normal, c'est parce que c'est un 4 ans, mais il a trop bien assimilé et c'est trop cool. Enfin, là, franchement, j'arrive déjà au pas dans la carrière. Le petit, je galère un peu et directement, j'arrive à se mettre en avant. J'ai pas besoin d'utiliser beaucoup le stick, donc c'est trop cool. Le trot. Avant de passer au galop, c'est toujours une étape compliquée. Il est très rebondissant et beaucoup de mal à le mettre en avant. Là aujourd'hui, super. Les deux mères, même à gauche où il n'est pas du tout à l'aise. Et galop, bon, galop top. Départ au galop très bien. Dans un virage de la largeur, il me faisait nickel. Petit, il faisait. Les bulles étaient tout le temps en PLS. Donc je suis très contente du petit monsieur. Donc je l'ai laissé sur ça, sur ses départs au galop et un peu trop derrière. Donc ça fait 38 minutes, donc voilà, c'est très bien, il est essoufflé, chouchou, il est trop mignon. T'es beau toi, t'es mignon pour un 4 ans, t'es tout gentil, et oui, je suis fière de toi loulou. De toute façon tu vas te faire mal. Kinex. Non, tu vas te faire mal, voilà, c'est bien mon garçon. Pas. Coucou ma princesse. Oui, tu t'es sûre encore. Puis ça peut t'échanger fatigué ça. Oui. Bon, on va essayer de se faire une petite conclusion sur ces deux petites séances avec les deux bourricots. En même temps, je suis en train de faire une sorte de tableau avec tous nos chevaux. Donc là, il y a Ravi que je viens de peindre. Elite, donc après ici on aura Inexium et Elite. Donc là je vais juste faire la troisième couche des crins de Elite. Oui. Donc bref, donc Elite était franchement un peu relou sur les bords. Bon, ça ma soeur me l'avait dit de toute façon, qu'elle se faisait un peu marcher dessus depuis un petit moment. Monsieur voulait plus avancer à des moments, donc j'ai dû mettre mes jambes et il faisait des trucs bizarres. Il se levait un peu, il donnait un coup de cul.
Après, j'ai réussi à le faire partir, il a réussi une autre fois. Je suis fâchée. Après, ça a été. Sur le dressage, bon. Il chiant quoi, il faut des coups de cul tout le temps. Comme ça, je lui ai dit. Ensuite. Inaxium, mais top, je le top, le cheval. Je le top, mais je l'ai jamais eu aussi bien. Bon, après, je l'ai pas monté un autre fois. Hein. Je sais quoi, c'est ma 2e, 3e ou 4e fois que je le monte. Quelque chose comme ça. Mais il était vraiment top de chez top. Et c'était vraiment un plaisir. J'étais très contente qu'il soit devant ma jambe dès le début. Donc c'était top. Donc voilà. Donc comme j'ai pu voir, j'ai pas pu filmer les séances puisqu'il n'y avait pas grand monde pour me filmer. J'étais un peu toute seule. Mais voilà. Demain, dans mes souvenirs sur le planning que j'avais fait, parce que j'avais fait un planning pour pas. Pour que les chevaux aient bien leur jour de repos, les 3 minimum. Je crois que demain j'ai Elite et Elite à confirmer. Il faudrait que je regarde sur mon ordi. Mais dans mes souvenirs, c'est ça. Voilà. Il faudrait que je les amène chacun un peu en balade un de ces jours. Mais le truc, c'est que bon, Elite, je sais qu'il est tout seul. Mais Inaxium, il n'est jamais sorti ici tout seul. Je préfère qu'on sorte d'abord avec un copain et après qu'on puisse sortir tout seul. Pour que ça soit plus rassurant pour lui. Il faudrait que je trouve quelqu'un ou un jour aussi là pour faire. Sachant que mon père travaille beaucoup cette semaine, il m'a dit que c'est la dernière semaine où il avait énormément de travail. Après, normalement, ça devrait se calmer dans son boulot. Donc sinon, cette semaine, je travaillerai, je laisserai en repos, ils vont aller au pré, de toute façon, parce que partir de demain, il fait beau. Donc ça va être cool. Là, il fait que pleuvoir. Moi, j'ai de la chance, je passais entre les gouttes, moi, là. J'ai choisi les bonnes heures pour monter. Mais ouais, faut que je le voie. Donc voilà, c'est sur ces petites images avec ma petite rabie que je vous laisse là. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'ai pas pu vous filmer mes séances. Ça fait toujours quelque chose qui est très énervant. Bon, bah, excusez de faire de trouver quelqu'un. Mais en tout cas, demain, je pars monter Elite et Elite dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tu dis au revoir, ma rabichon. Une bénéfice.